Salut les bluffeurs, bienvenue à l'épisode 2 de cette USOP Taïwan. Aujourd'hui c'est le main event. Lors de l'épisode 1, on avait assisté à la victoire de Clément sur le Mystery Bounty. Et aujourd'hui, ça va être le tournoi principal, un tournoi à environ 1 000 $. Et on va vous montrer tout ça. Let's go pour ce main event. Très sympa de jouer à Taïwan, c'est propre, les gens sont sympas, il y a vraiment une bonne ambiance, c'est vraiment une super destination, un peu inconnue mais c'est tranquille. Et là je vais grinder quelques petits coups, tranquille, sans trop de difficultés, sans abattage, on monte un petit peu les jetons, on ramasse. On encaisse. Allez, c'est la pause, la troisième ou quatrième pause là. Il reste 200 joueurs sur les 400 inscrits. Et il reste encore Clément et moi dans le tournoi. On a à peu près le même stack, environ 125 000 jetons. Et on va reprendre sur 1000-2000, donc une soixantaine de fois la grosse blinde. Donc on est là, tranquille, on contrôle bien nos tables. En plus, on est dos à dos, donc on peut se parler, on peut échanger sur les coups, se donner des infos sur les joueurs. Pas pendant les coups. Hein. Pas pendant les coups, non, entre les coups, bien sûr. Et donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Je vais gagner la première rencontre à tapis avec une paire de rois contre As-Dame. Ça tient, c'était un petit coup, mais on ramasse quand même. Ça fait toujours plaisir et on continue de monter notre stack. Là, on a à peu près triplé le tapis de départ. Bon là c'est la pause, il reste environ 100 joueurs et il y en aura 52 qui seront qualifiés. Donc à peu près la moitié des joueurs restants passeront au D2. On est encore là avec Clément. Moi j'ai 140 000, ce qui va représenter une grosse trentaine de blindes. Et lui il a perdu un gros coup avant la pause, donc il lui reste que 50 000. Donc une grosse dizaine de blindes, 12 blindes à peu près. Et donc lui il va falloir qu'il double. Et puis moi je vais essayer de continuer ce que je fais. Ma table elle est correcte, même s'il y a eu 2-3 bons joueurs qui sont arrivés là. Donc elle s'est un petit peu durcie, mais ça reste encore tout à fait ok. Là on est pas mal en jetons là, ça monte du stack. Jusqu'à ce que je tente un bluff à la rivière. J'essaye de lui faire passer parce que j'ai rien. Et il va réfléchir longtemps, très longtemps. Il avait pas grand chose lui non plus, juste une paire de 8. Pour troisième paire, est-ce qu'il va jeter ses cartes ou est-ce qu'il va me payer? Ah, il m'a payé malheureusement, il m'a pas cru. Bah, c'est Busto avec As-As, paire d'As, all-in pré-flop, il a deux valets et valet au flop. C'est fini en 86e position peut-être, alors qu'il y avait 52 places payées, pas très loin de l'argent. Encore proche bulle, bien frustrant, mais bon, qu'est-ce qu'on peut rien y faire. J'ai bien joué, juste été malchanceux. Prochain. On va maintenant céder l'image à Romain Beer, un autre membre de l'équipe, qui a fait un parcours également sur le main event. Et il a surtout fait un deep run sur un tournoi annexe, un 6 max. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et on est parti sur ce main event de l'USOP Taïwan. Voilà, on est parti avec As-3 contre As-10. Bon, ici on était assez short quand même. Et on touche le roi directement au flop. Et turn, c'est drawing dead pour notre ami. On va vite le dire aux copains. On essaye un petit peu de discuter, essayer d'avoir quelques informations.
Anthony, qui est devenu un très bon ami sur le circuit. Et si nous sommes partis à tapis. As-3, il a hésité avec As-3. Bon, moi là, je peux pas voir qu'il a As-3, mais c'est des bonnes infos pour la suite. Encore à tapis, j'ai joué beaucoup de coups à tapis sur ce main event. Je crois que j'ai joué beaucoup de boulettes. Et ça s'est pas très très bien passé en soi. Roi Valet qui va gagner. On voit pas la main de l'adversaire. Et je crois bien que c'était une pocket pair. Notre valet va suffire. Encore des petits coups par-ci par-là. Mais on voit que notre stack monte pas beaucoup. On va stagner beaucoup autour du starting stack. Ici on va trouver un fold avec As-10. Bon, je crois que on a eu un bon fold. En face c'était As-3. Et ici on part à tapis avec 2-10. On voit As-Valet sur le premier et As-Valet de l'autre côté plutôt bien. C'est vraiment une top rencontre quand on a une pocket pair. Mais malheureusement le flop nous sacrifie. Avec un As, ce sera très compliqué. Un 10, allez, s'il te plaît. Non, un 10. Un 10. Non. Et malheureusement, c'est le busto ici. Alors, je crois pas que je perds tous mes jetons sur ce coup-là. Je perds un bon parti de mon stack. Et du coup, je vais buster quelques mains derrière. Et là, du coup, j'ai jam dans le 6 max turbo du soir. Un tournoi que j'ai plutôt apprécié en 6 max. On en joue beaucoup online. Et à ma droite, en costard gris, mon ami Tommy, organisateur, un des organisateurs avant de l'USOP. Et on se retrouve en table finale avec Tommy. À savoir que c'est un petit field. Et ici, tout de suite, une rencontre début de TF. On a deux rois contre As-6 et As-Valet. As-6 à notre gauche de notre ami norvégien. 10-10-4. Allez, pas d'As, pas de 2 out, 3 de trèfle, allez, oui, 6 de pique, c'est bon. L'As pot était très très important, super important de prendre ce pot. Déjà on buste deux joueurs et on monte vraiment un stack pour pouvoir se fight sur la suite. Faut pas oublier que c'est des tournois qui sont assez turbo. Et notre ami à droite qui nous félicite, ça fait plaisir. Et ici 5 et 10 que j'avais joué BVB. On a fait un open BVB défense de mon ami Tommy. Flop 5-5, 10, turn 10. Limite un peu trop compliqué de trouver de la value quand on a touché autant. Et ici, c'est payé par notre ami. Ok, ça check. Check aussi sur cette texture, 5-5-3, turn 3, ok, on recheck assez rapidement, et leur dame, quel sizing va-t-on faire sur cette river? Pleine réflexion. Honnêtement, je sais plus les infos que j'avais sur ce joueur pour avoir joué ce coup de cette manière-là contre lui. C'est call très rapidement et on value 2 as. Intéressant de savoir quelle info j'avais pour check flop, check turn sur cette texture et trouver qu'une street river.
je devais avoir des infos bien spécifiques à ce moment-là, mais ça colle River et ça colle Muck. Et là, une rencontre incroyable, blind versus blind, donc small blind versus big blind, où j'ai deux rois contre roi 10, j'ai open et il a jam directement roi 10 off, et malheureusement pour lui, j'avais deux rois, donc on perd mon ami Tommy, et le flop qui est venu roi dame dame, où on a complètement sacrifié notre ami malaisien. Et c'est la win, troisième win sur ce festival USUP. Donc USUP, c'est vraiment un festival qui m'a réussi pas mal. Où il y a eu beaucoup de... où j'ai gagné 3 tournois, donc pas mal chanceux. Et là, on se retrouve au restaurant pour fêter ça avec la team à la fin. Et voilà, on vous laisse sur cette belle victoire de Romain et on vous donne rendez-vous pour le prochain vlog avec beaucoup d'actions et notamment 2 tables finales. Restez à l'affût. Gas it up, shit about to blow, make a million.